D'où la voici, ou qui est venue se positionner aux avant-postes. Est-ce qu'elle va pouvoir être à la retombée du ballon? Le tir est debout, l'égalisation. Je vous en avais encore parlé, l'égalisation de lui, l'attaquante chinoise du DFC. Ça fait de partout. Girondins de Bordeaux qui mène 1 but à 0 face au Havre. On aura l'occasion de refaire un point sur ce. Ah ben c'est un but! C'est enfin l'ouverture du score! Alors qu'on faisait le point sur les autres terrains, voilà l'ouverture du score pour le DFCO. C'est Latif Abdou qui est venu fusiller Elisa Lenay, la gardienne du LOSC, une frappe en force. Et le DFCO qui ouvre la marque après 30 minutes de jeu. Dijon 1, Lille 0. Cette pelouse très arrosée. Je pense qu'elles en sont surprises d'ailleurs. Ouais, ça a été bien arrosé une nouvelle fois après l'échauffement. Exactement. Et dans le choix des crampons, peut-être qu'il y a eu des petites surprises. C'est ça. Allez, ballon récupéré, la tentative, le but ! Oh, magnifique ! Oh, quelle ouverture de la marque du côté de Saint-Etienne par Regina Autou. Oh là là ! Incroyable cette tentative lointaine, et voilà Saint-Etienne qui ouvre la marque face à Montpellier. Pas de retrouver là sur toutes les offensives des Jeunesses. Latif Abdou dans la surface de réparation qui peut s'appuyer sur Wood du pied droit. Le but, le troisième et le doublé pour Wood, la TFC. Dijon 3, Lille 2. La première route sortie sur blessure. Mal à marcher, qui est en train de se diriger vers le bloc. Attention, action. Côté LOSC, la sortie, la portière, les alliés. Target locked. C'est pas terminé, la frappe et le but. La frappe, et ça fait mouche, ça fait 2 buts 1 pour le LOSC. Après cette frappe de Boukli, un peu de confusion côté DFC, on a mal capté ce ballon et Boukli qui en a profité.
flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant stay.